Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe de la Vierge, Ascendant et Signe Lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre Ascendant et votre Signe Lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie. Général. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Allez, c'est parti, amis vierge. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Donc, ici, quelle rune vous, a, vous accompagne au mois de juin C'est Ewaze qui vous dit Tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux chérit cette relation sacrée et avance en confiance. Donc ici on vous dit qu'il va y avoir une personne qui saura vous aider, qui saura vous écouter, qui saura vous soutenir, qui saura vous conseiller pour avancer dans votre vie, pour avancer sur votre chemin, pour vous réaliser, pour construire peut-être euh, des projets. Vous voyez comment ça vous parle et vous voyez dans quel domaine ça vous parle en tout cas. Mais en tout cas, on vous, on vous dit que vous pouvez lui faire entièrement confiance. Et vous pouvez aussi... Euh, avancer en toute tranquillité sur votre chemin de vie avec cette personne à vos côtés. On vous demande aussi de remercier d'avoir cette relation dans votre vie, remercier pour que cette personne fasse partie de votre vie. Alors peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre vie, peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, mais en tout cas, on vous dit euh, de chérir justement euh, cette relation, parce qu'elle va vous apporter beaucoup. Ici, quel est le conseil avec le petit oracle de Gaïa on vous dit cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc ici peut-être que vous avez déjà commencé un travail spirituel, en tout cas euh, on, vous, on vous encourage à continuer, oui développer votre spiritualité pour qu'elle fasse partie intégrante de votre vie, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de progresser et ça va vous permettre d'attirer de jolies choses euh, à vous, des jolies choses, des jolies choses que vous n'espériez même peut-être pas. Trouver en tout cas. Donc, c'est plutôt des jolis messages d'encouragement. Ici, nous avons en première énergie, nous avons le 6 d'épée. C'est la carte que j'avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Et ici, nous avons une deuxième énergie, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir un peu plus de messages, pour avoir un peu plus d'énergie pour votre mois de juin. Donc, le 6 d'épée, ici, vous dit quoi ben, Le 6 d'épée vous dit que parfois, il est parfois préférable de partir. Euh, en essayant de laisser les ennuis derrière soi. Il est donc souhaitable de quitter une situation que de s'accrocher à des choses ou à des personnes qui vous ralentissent en fait. Hein. Donc ici, on voit bien que le personnage est, euh, regarde, jette un dernier œil derrière lui, mais en tout cas, il n'a pas l'intention de s'arrêter et il a plutôt envie de partir vers l'avant. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il est parfois meilleur de partir vers l'inconnu qu'à n'importe quel endroit sera meilleur que celui que vous laissez derrière vous, en fait. Hein. Oui, vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie euh, de vous délester peut-être de relations toxiques aussi. Hein. Euh, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, vous avez envie d'autres choses, vous avez envie de nouveautés. Hein. C'est vrai qu'il y a parfois des situations, en tout cas, impossibles à réparer. Euh, donc des relations qui ne, qui ne vous soutiennent pas, des relations qui ne vous conviennent pas, des relations qui vous font plus de mal qu'autre chose, en tout cas. Ou peut-être un emploi euh, qui vous qui vous arrasse, qui vous convient pas, qui, qui ne vous correspond plus, ou peut-être il y a des circonstances aussi dangereuses ou improductives dans votre vie. Donc à vous de voir, mais en tout cas, on vous dit vraiment euh, qu'il est temps de quitter tout cela. Donc si vous faites face à ce genre de situation, euh, vous devez absolument vous demander, s'il n'est pas temps pour vous, bah, de limiter la casse et de partir tout simplement. Hein. Donc n'hésitez pas à demander de, de l'aide pour le faire, si vous en avez besoin. En tout cas, vous n'allez pas hésiter, mais je pense que vous n'aurez même pas besoin de demander de l'aide puisque de toute façon, ici, vous allez avoir une personne qui va vous aider. Alors, c'est peut-être pour ça hein, que cette personne va vous aider, va vous conseiller justement pour vous aider à vous extirper euh, de relations toxiques, euh, d'une re, situation qui ne vous convient plus. En tout cas, elle sera vous conseiller ou en tout cas, elle sera vous indiquer la bonne, euh, le bon chemin, euh, et la bonne voie en tout cas à emprunter. Donc, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt un message d'espoir, c'est plutôt euh, quelque chose qui va vous permettre de, de progresser, en tout cas, si vous vouliez changer de vie, si vous vouliez changer quelque chose dans votre vie. Et en plus, c'est ça en raccord, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a une personne qui, ici, vous, avez, vous allez pouvoir demander. Si vous avez besoin d'aide, demandez, vous allez trouver. Mais en tout cas, ici, il y a déjà une personne qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Donc, c'est plutôt sympathique. Ici, quelle est votre deuxième énergie C'est le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, ici. Euh, est un signe que vous avez atteint, ou en tout cas que vous allez atteindre, euh, votre désir le plus cher. Alors peut-être que votre désir le plus cher, c'est justement de quitter cette situation, quitter cette, cette relation, quitter cette, euh, cet emploi aussi qui ne vous convient plus. Peut-être que c'est ça, votre désir le plus cher. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui va se réaliser, ou qui est en passe de se réaliser, et qui vous tient vraiment à cœur. Le 10 de Pentacle parle aussi donc d'obtenir ce que vous voulez et d'en profiter. Donc, si vous voulez obtenir votre liberté, ben, profitez d'obtenir votre liberté. Si vous voulez obtenir un, un nouveau travail parce que celui que vous avez actuellement euh, ne vous convient pas, ben, on vous dit que oui, c'est le bon mois pour vous lancer dans ce genre de, de recherche, dans ce genre de réalisation, dans ce genre de, de vœux en tout cas. Hein. Vous devriez vous demander aussi ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour justement attirer ce que vous voulez à vous Alors, peut-être que vous l'avez déjà, hein ou peut-être que vous en avez juste une version raisonnable. Mais en tout cas, on vous dit que c'est... En tout cas, on vous dit vraiment de, de réfléchir à ce que vous voulez. En tout cas, si vous avez déjà euh, ce que vous voulez dans votre vie, on vous dit vraiment qu'il faut prendre le temps de l'apprécier. Sachez apprécier aussi votre travail autant que vos loisirs. Si vous vivez encore des moments difficiles, cette carte est un encouragement. Elle vous dit que vous, vous touchez au but. Donc pour les personnes qui sont en train de, de s'extraire de cette situation, en tout cas, on vous dit que vous allez euh, réussir. Vous êtes encouragé, en tout cas, par le 10 de pentacle, à changer de direction, à chercher votre voie, en tout cas, à vous diriger vers une voie différente. En tout cas, on vous dit de persévérer, ne de pas baisser les bras, n'arrêtez pas. On dit que la réussite est au coin de la rue, ou au prochain carrefour, en tout cas. Mais continuez, ne renoncez, ne renoncez pas. Euh, en voulant ici euh, tourner le dos à certaines situations, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous vous posez la question, vous êtes sur la bonne voie, vous avez raison. Alors, l'association de ces deux cartes vous invite au changement. Alors, c'est vrai que souvent, notre, équil équilibre, notre équilibre peut se construire nécessairement dans le cocon euh, de notre routine, dans le, dans le cocon de notre quotidien. D'ailleurs, c'est souvent salvateur. Hein. Mais là, on vous dit que non, il est temps euh, pour vous, justement, euh, de vous dépayser, de vous sortir justement de votre routine, de vous sortir de votre quotidien, euh, en tout cas pour, pour un temps, car ce sera quelque chose qui vous permettra de, de prendre conscience euh, que vous avez évolué par rapport à ça. Donc là, on vous dit vraiment qu'il est temps que vous vous défassiez de certaines de vos petites habitudes. Explorer de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles contrées rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir votre porte à de nouvelles connaissances, voilà un moyen particulièrement efficace pour vous défaire de vos certitudes et, de, et pour vous permettre de vous enrichir euh, et de vous diriger vers de nouvelles perspectives, perspectives et vers de nouveaux objectifs en tout cas. Ce qu'on veut vous dire aussi avec l'association de ces deux cartes, c'est que la vie a beaucoup de choses à vous offrir. Donc, on vous dit pourquoi ne pas en profiter euh, comme il se doit. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est pour ça que vous vous quittez une situation parce que vous savez que la vie a d'autres choses à vous offrir. Et donc, vous allez vous diriger, justement, euh, vous, votre but est, est, de, est de sortir de cette situation, justement, pour vous diriger vers tout ce que la vie peut vous offrir, en tout cas. Vous en avez conscience. Hein. C'est pour ça que ce mois-ci, vous allez euh, prendre la décision, justement, de tourner le dos à tout ça et pour vous diriger vers de nouvelles énergies, pour vous, euh, pour vous diriger vers de nouvelles connaissances, euh, vers de nouvelles perspectives. Ici, quelle est euh, l'énergie au cœur de votre moi Eh bien, c'est l'imprévu. Donc, il y a des choses imprévues, il y a, des, il y a de l'imprévisibilité qui arrive dans votre vie. Donc, c'est très bien parce que c'est aussi des énergies de changement. Donc, l'imprévu, ça fait partie aussi des énergies, des énergies de changement. Donc, des changements peut-être que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, ça ne peut pas être... Vu les énergies que vous avez ici, ce n'est pas des imprévus néfastes, hein. c'est plutôt des, des imprévus que vous devez prendre de manière positive, ça va vous aider à changer euh, des choses dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements, vous allez avoir des. On vous dit un grand oui. Donc vous voyez ces imprévus-là, on vous dit un grand oui. Oui, euh, accueillez ces imprévus. Euh, ne vous fermez pas justement, accompagnez ces changements euh, parce que ça, ça va être quelque chose de positif pour vous. Et un retour à l'équilibre aussi. Vous allez passer à l'action. Vous voyez ici il y a encore la spiritualité, l'intuition. Vous allez devoir suivre votre intuition. Il y a des nouveaux projets, il y a un renouveau et il y a l'abondance. Vous finissez le mois avec l'abondance. Donc oui, vous allez tourner le dos à certaines situations, mais regardez, hein, c'est pour aller vers quelque chose qui vous conviendra, c'est pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir en tout cas. Alors, on y va. Ici, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation, et on vous dit oui, euh, c'est nécessaire que vous ayez ces éclaircissements. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, une forme d'équilibre dans votre vie. Il y a un deuxième message ici aussi, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, peut-être par rapport, peut-être que vous, vous étiez en en procédure de justice, peut-être par rapport à un divorce ou peut-être par rapport à une autre situation. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à votre dossier et ça va vous permettre d'avancer. À mon avis, ici, vous allez avoir une réponse en votre faveur. Ça va être en votre faveur. Ça va vous permettre justement de retrouver euh, aussi une sérénité par rapport à votre vie. En tout cas, ici, vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être qu'il vous manquez encore des documents ou, ou des précisions euh, pour avancer par rapport à cette décision de justice. Mais en tout cas, on vous dit oui. Oui, ça va être ce mois-ci. Si vous attendiez une réponse, oui, ça va se faire. Et, euh, oui, ça sera, ça sera oui en votre faveur. Ici, on vous dit que vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action parce qu'il y a un imprévu qui arrive, qui, qui va se produire en tout cas, qui va peut-être vous obliger de passer à l'action euh, par rapport à une, à une situation qui stagnait. Alors peut-être que vous aviez entrepris quelque chose dans votre vie qui s'est mis à... qui, qui a stagné, euh, qui était à l'arrière. En tout cas, il y a quelque chose, un, un imprévu qui va faire repartir cette, cette situation. Hein. Peut-être que c'est par rapport à une situation amoureuse, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. Donc forcément, pour se voir, c'était plutôt compliqué ces derniers temps. En tout cas, maintenant, vu que ça se débloque, vous allez pouvoir peut-être retrouver votre, la personne qui est chère à votre cœur. Ou peut-être c'est par rapport à un projet. Euh, peut-être que vous étiez, vous vouliez ouvrir votre, votre propre activité, votre propre auto-entreprise, mais vous avez été freiné justement par les circonstances de la vie. <laughs> Ou par d'autres choses. Peut-être que vous aviez un manque de financement. Peut-être que vous manquiez des papiers aussi. Donc, en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un imprévu qui arrive et ça va vous permettre justement de repartir à l'action. Et en tout cas, la, la, la situation qui stagnait, à pouvoir de reprendre son cours, en tout cas ici, euh, c'est quelque chose de bon pour vous. et Je perds ma voix, je suis désolée. Ici, on dit que euh, suivez votre intuition par rapport à un projet. Et ici, il y a un projet qui va naître. Alors, c'est un projet qui, qui n'est pas, pas encore, encore réalisé, qui n'est pas encore matérialisé. C'est un projet que vous êtes en train, sur lequel vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir à, à la manière de le mettre de le réaliser, de le mettre en place. Comment vous allez le planifier Vous êtes en train de faire une liste par rapport à ce qu'il vous faut pour réaliser ce projet qui est une renaissance pour vous. Ça vous permet de de repartir à la conquête de votre vie. C'est ce qu'on vient de me dire. On vient de me dire conquête de votre vie. Donc ça va, va C'est quelque chose qui qui vous tient à cœur. Et vous avez raison de ne pas laisser tomber. C'est peut-être quelque chose qui que vous avez dû mettre de côté pendant un temps, mais vous avez raison de de reprendre ce projet qui vous tient à cœur parce que regardez. C'est un projet qui va vous apporter l'abondance. Alors attention, ça ne va pas forcément être une abondance financière, mais en tout cas, ça va vous apporter, ça va vous permettre de vous épanouir. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être que c'est un projet personnel. Euh, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, ça vous parle d'abondance. Vous allez euh, vous épanouir euh, en, en planifiant, en prévoyant, en voyant comment vous allez pouvoir mettre ce projet en place. En fait, ça va vous donner une bouffe d'oxygène. Vous allez... Euh, ça va vous revigorer, ça va vous donner du peps, hein, ça va vous redonner de l'énergie, de la vitalité. Donc peut-être qu'aussi, c'est ça, hein, vous allez peut-être avoir une énergie, euh, une abondance d'énergie aussi, parce que vous avez vraiment envie que ce projet voit le jour. Donc pour l'instant, vous savez que vous en êtes aux prémices, mais en tout cas, on vous dit que ce projet, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors peut-être que ça, ça vous apportera une récolte, une, une récolte financière, ou pas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est très bon pour vous. Ça va vous apporter vraiment. Euh, Beaucoup de choses, en fait. Peut-être que ça vous a, va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, ça va vous permettre de faire de nouvelles connaissances. Peut-être que ce projet euh, que, vous allez, que vous avez envie d'initier, peut-être que euh, finalement en rencontrant de nouvelles personnes, ça va vous donner de nouvelles idées. Peut-être que c'est quelque chose qui va euh, grossir, qui va devenir beaucoup plus grand que ce que vous n'espériez. En tout cas, euh, ici, il y a quelque chose vraiment de, de bénéfique et de bon pour vous qui arrive. Ici, si on vous dit que euh, grâce à des éclaircissements, grâce à la lumière que vous allez faire par rapport à euh, peut-être par rapport à ce que vous désirez vraiment, euh, peut-être par rapport à ce que vous tournez, euh, ce à quoi vous tournez le dos, justement ça va vous permettre de passer à l'action, et, et vous allez euh, passer à l'action parce que vous, a, vous allez suivre votre intuition, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter cette petite voix qui va qui va vous guider en fait. Hein. Vous passez à l'action, vous allez entreprendre de nouveaux projets, vous allez entreprendre de nouvelles choses dans votre vie, euh, mais en écoutant cette petite voix intérieure qui va vous guider. Vous allez être guidé en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous allez être guidé. Alors peut-être que cette personne, cette aide providentielle, cette personne qui saura vous soutenir et vous conseiller, c'est peut-être aussi l'univers, c'est peut-être un de vos guides, peut-être un ange aussi qui sera à vos côtés et qui va vous, vraiment vous diriger. Vous aurez vraiment, euh, comme si on allait vous ouvrir un boulevard, vous aurez tous les feux au vert ce mois-ci euh, par rapport à certaines choses dans votre vie pour pouvoir vous permettre de, de progresser et d'évoluer. Euh, c'est comme une récompense parce que vous avez été patient, parce que justement peut-être que vous avez été entravé. Euh, alors peut-être par les circonstances que l'on connaît tous, on par rapport à d'autres circonstances, mais en tout cas ici, il y a comme, comme pour vous dire merci d'avoir patienté, merci d'avoir tenu bon, merci d'avoir persévéré. Euh, oui, il va y avoir une forme de, de récompense et une forme de réussite ici euh, parce que vous n'avez pas baissé les bras et vous le savez parce que regardez, il y a l'abondance ici au bout du compte. Hein. Ici, on vous dit oui. Oui, accueillez l'imprévu, euh, accueillez l'imprévu par rapport à un projet. Alors, en tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous chercher pour vous soumettre un nouveau projet, ou peut-être que par rapport à votre profession, il va y avoir de nouveaux projets qui vont vous enthousiasmer, qui vont vous plaire. Ou peut-être que c'est vous qui avez un nouveau projet qui va arriver dans votre vie, euh, ou c'est vous qui allez être à l'initiative de ce nouveau projet, mais en tout cas, il y a quelque chose, un imprévu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous satisfaire, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment un épanouissement, un bonheur. Euh, on peut vous parler aussi ici à notre message. Oui, il y en a un imprévu, peut-être qu'il y a une, une grossesse, une annonce d'une grossesse imprévue. Peut-être que vous allez avoir l'annonce, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage aussi. En tout cas, il y a, il y a... Une annonce d une, d un bébé, de l'arrivée d'un bébé, ce n'était pas prévu en tout cas. Mais en tout cas ici, à, à part le projet bébé, à part le bébé, il y a vraiment l'imprévu par rapport à un projet. Peut-être que vous n'attendiez pas ou n'espériez plus ce projet. En tout cas, on va venir vous chercher ou c'est vous qui allez, qui allez comprendre qu'en fait maintenant, c'est le bon moment justement pour vous réaliser, pour mettre en, en marche vous mettre en marche par rapport à ce projet. Ici, on vous dit que par rapport à, à une procédure de justice qui est stagnée, on vous dit que ça, que ça va se remettre en mouvement. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver en votre faveur. Sinon, on vous dit aussi que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à un projet qui est stagné. Euh, et on vous dit que ce projet qui se bah, va repartir et vous allez euh, être, euh, vous allez euh, retrouver une forme d'épanouissement par rapport à ça, une forme de soulagement aussi. Et ça va vraiment vous apporter un épanouissement, une abondance, une abondance peut-être de reconnaissance. Vous êtes peut-être en fait reconnaissant envers la vie parce que ce projet reprend. Euh, en tout cas, peut-être, enfin, en tout cas, ça va vous apporter une grande satisfaction. C'est ce genre de très jolies énergies. Hein. Et en tout cas, on vous dit que oui, peut-être que vous allez tourner le dos à quelque chose, mais en tout cas ici, oui, vous allez euh, le 10 de Pentacle, vous disiez que vous alliez atteindre un but. En tout cas, vous vous dirigez vers le but. Et ici, il est là, le but. Hein. Oui, vous allez retrouver une forme d'abondance. Vous allez atteindre un but. Vous allez retrouver une forme d'épanouissement. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à un imprévu qui arrive. Vous allez comprendre pourquoi cet imprévu arrive dans votre vie. Vous allez en avoir... La... Mais vous en aurez... Euh... La connaissance, vous aurez vraiment, vous réaliserez vraiment pourquoi tout ça s'est produit à la fin du mois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir en tout cas. Alors, peut-être pas enrichir au niveau euh, du porte-monnaie, au niveau du compte en banque, mais ça va vous permettre de vous enrichir au niveau peut-être spirituel, au niveau euh, de vos connaissances. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose vraiment euh, de concret, ça va vous, ça va vous apporter vraiment euh, quelque chose de... De bien, ça va être vraiment quelque chose de bien pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous, amis vierge Ici, on vous dit que vous retrouvez les, les vous allez retrouver l'équilibre par rapport à un certain Alors, cet imprévu. Alors, peut-être que cet imprévu, c'est vrai que ça va vous déstabiliser au début, hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver les, une forme d'équilibre par rapport à cet imprévu parce que vous saurez écouter votre intuition. Alors, peut-être que aussi, vous allez vous rendre compte que vous avez des, cas, des capacités, vous avez peut-être des dons euh, psychiques. Vous avez des capacités alors vous voyez comment ça vous parle peut-être que vous avez euh, vous avez du magnétisme vous, avez, vous savez peut-être tirer les cartes aussi peut-être que euh, vous avez vous savez utiliser le pendule vous avez vous savez peut-être vous avez peut-être euh, euh, comment dirais-je euh, des flux du magnétisme, vous savez guérir aussi, vous pouvez soulager, guérir, alors c'est un grand mot, mais vous pouvez soulager aussi la douleur euh, chez certaines personnes. Alors, en tout cas, peut-être que c'est ça aussi qui va vous déstabiliser parce que vous, vous le saviez, mais vous avez mis peut-être ces choses de côté et en fait, ce mois-ci, vous allez en prendre vraiment conscience. Alors peut-être que ça va... Peut-être que c'est pour ça aussi que vous ne vous sentiez peut-être pas aligné par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à votre chemin de vie. Mais à partir du moment où vous allez vous reconnecter justement par rapport à ça, bah vous, allez vous allez retrouver votre équilibre. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de cultiver votre spiritualité. Alors, ça fait écho à ça aussi. Euh, oui, cultiver votre spiritualité peut-être parce que ça va vous, prendre, va vous permettre d'enfin de réaliser et de prendre conscience que vous avez des dons, que vous avez des capacités. Et vous allez, on vous demande de vous reconnecter à ces capacités-là. Hein. Vous voyez comment ça vous parle En tout cas, c'est un très joli message ici, et c'est pour vous permettre de, de vous réaligner, pour permettre de vous recentrer aussi, pour pour vous remettre sur votre chemin. Peut-être que c'est votre mission de vie aussi. Euh, ces capacités font partie de votre mission de vie. Euh, on vous demande peut-être de vous en servir, justement, peut-être pour vous, mais aussi pour vous, pour vous réaliser, mais aussi pour le bien de tous. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être que vous êtes déjà sur cette voie-là, peut-être que vous en avez pris conscience. Peut-être que vous attendiez une réponse ou un signe. Et bien, ce tirage est un signe pour vous dire, oui, développez vos dons, vos dé développez vos capacités, parce que c'est bon pour vous. Ça vous va vous permettre de, de vous recentrer, de vous, vous aligner, euh, de, de trouver, de comprendre quels sont vos objectifs et vos perspectives de vie, en tout cas. Et ça va vous permettre de retrouver une forme un épanouissement dans votre vie tout simplement et c'est peut-être que ça aussi c'est des projets qui sont liés justement à un développement spirituel peut-être que vous voulez faire une formation peut-être que vous voulez ouvrir peut-être aussi une auto entreprise peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte peut-être parce que vous avez déjà fait tout ce travail là peut-être que c'était un projet qui stagnait parce que euh, vous n'aviez pas vous ne pouviez pas avancer comme vous le voulez, mais en tout cas, ici, tout ça se remet en route. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, ici, où il y a vraiment un message qui vous dit euh, allez-y, euh, c'est bon, vous avez, euh, vous avez, les feux verts sont ouverts, en tout cas, sont allumés. Vous avez euh, poursuivre votre route, vous avez le feu vert de l'univers et vous avez le feu vert de la vie, en tout cas. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci, amis vierges. Allez, quel végétal vous accompagne Quel végétal a un message pour vous les vierges pour le mois de juin Eh bien, si elle ne vient pas, on va aller la chercher, hein, cette plante. -là. Ah, ben, ça a volé, mais il y en a trop. Donc, là aussi, il y en a trop. Allez. Ah bah voilà. C'est le cerisier. Le cerisier qui fait partie de la famille des enseignants. Bah oui, vous avez des choses à apprendre hein, ce mois-ci. Vous avez des choses à apprendre sur vous par rapport à cette situation à laquelle vous tournez le dos, par rapport à cet imprévu. Hein. Donc la famille des enseignants, on va aller voir ça. Alors, les enseignants, forcément. Ah ben bah non. Alors les enseignants, ils vous disent, ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Donc oui, vous avez des choses à apprendre ce mois-ci, mais vous allez apprendre, hein, vous allez apprendre euh, par ces éclaircissements, vous allez apprendre par cet imprévu qui va vous apprendre beaucoup et, euh, sur vous. Hein, et par ces projets aussi, par votre intuition qui est. Parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition, vous allez être à l'écoute de vos envies, de ce que vous avez envie de faire, en tout cas. Donc j'ai dit enseignants. Donc c'est le cerisier. Donc le cerisier vous dit la simple vue d'une fleur de cerisier et c'est le printemps qui apparaît. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. <laughs> Ici, les mots-clés du cerisier, c'est le bonheur, la félicité, la fécondité. La fécondité, c'est vrai qu'on prend souvent euh, euh, cette carte pour un euh, nouveau projet, pour euh, naissance, mais aussi c'est la fécondité, parce qu'à partir du moment où il y a un bébé ou un projet qui est en route, oui, c'est une fécondité. L'intelligence collective, le courage, on vous parlait de courage, de ne pas baisser les bras, de ne pas renoncer. Euh, de courage, de la renaissance, donc de naissance, de renaissance, de l'impermanence, de la délicatesse, de la mort, de l'alignement. Oui, de l'alignement, vous allez vous aligner par rapport à vos valeurs par rapport à votre intuition. On parle de reproduction, de béatitude, de le non-attachement, de l'élégance et de l'aboutissement. L'aboutissement, c'est obtenir les, ce qui vous est le plus cher. Donc c'est quand même en deuxième énergie. Donc je pense que vous allez obtenir, en tout cas vous allez vous diriger vers la fin du mois de juin, peut-être que vous verrez ça au début juillet. En tout cas, il y a une forme d'aboutissement, il y a une forme d'obtenir, de, 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 euh, euh, d'aller à la conquête de son vœu le plus cher, en tout cas. Donc on est vraiment en raccord. Donc le cerisier, quand il apparaît... Dans votre tirage, c'est pour vous dire quoi? Le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. Oui, la spiritualité, on vous dit ici aussi de cultiver votre spiritualité. La spiritualité, c'est creuser en soi. Creuser en vous, c'est vous reconnecter aussi à vos valeurs. Hein. C'est là le paradoxe du cerisier, apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier, euh, virtuose du sabre, fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus du fruit, pour re rencontrer la source de son être, son noyau. Alors c'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur la manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'un cerisier ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre entre profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur, de vos valeurs et des efforts que vous êtes prêts à faire pour vivre une vie pleine de sens. Le cerisier vous parle d'élégance, de courage, de loyauté. Avez-vous la sensation de vous brider et de vous frustrer Alors oui, vous serez dans cette sensation au début du mois, mais c'est pour ça que vous vous tournez le dos et que maintenant vous, allez, vous, allez vous, vous partez à la conquête de votre vie, vous avez envie de vous réaliser en fait. Hein. Avez-vous tendance, au contraire, à vivre au jour le jour sans vision précise, sans but C'est pour ça ici qu'on vous disait de vous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie Et je pense que vous allez débuter ce mois de juin ici dans ces énergies-là. Vous allez savoir très vite ce que vous voulez en fait. C'est pour ça qu'on vous parle de renaissance de projet et d'abondance vers la fin du mois. On est en raccord. Le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fixe et à vous laisser porter par le vent du changement. Le vent du changement, c'est l'imprévu. Donc, nous, on va plutôt commencer par l'imprévu et ensuite, vous allez vous fixer un objectif, en fait. Alors, le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fixe et à vous laisser porter par le vent du changement. Car le cerisier... vous parle de changement, de mort réelle ou symbolique, de transmutation, de renaissance. Il vous parle de légèreté. Avez-vous tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution Non, là, ce mois-ci, vous ne serez pas dans cette énergie-là. Au contraire, vous allez vouloir transformer votre vie. Sachez être léger, sachez euh, faire confiance à la vie en vous, autour de vous, au processus constant de naissance et de mort, qui vous permettent de vivre pleinement le rôle de votre vie. Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté, le cerisier le fera toujours avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie. Car le cerisier vous le rappelle, c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus importants. Oui. Donc, le, le cerisier est vraiment là pour vous ce mois-ci, justement. Euh, par rapport à ces énergies, toutes les énergies qu'on a vues là, hein. c'est un joli résumé en tout cas. Il va vraiment être votre compagnon idéal par rapport à ces énergies, à vous poser les bonnes questions, justement, pour mettre des choses en place, de nouvelles choses en place, pour tourner le dos à des choses toxiques ou à des choses que vous ne voulez plus euh, dans votre vie. En tout cas, ça va vous permettre euh, de faire, de peut-être de réinitialiser entre guillemets votre vie, hein, euh, de, ou certains secteurs de votre vie en tout cas, euh, pour vous diriger vers la nouveauté, pour vous diriger vers l'imprévu aussi. Pour renaître, pour initier de nouveaux projets, pour attirer de nouvelles choses et des jolies choses à vous. C'est plutôt très joli tout ça. Voilà pour vous, amis vierges. On va aller voir un conseil avec le message de lumière. Qu'est-ce que les messages de lumière ont à vous dire Quel est le message C'est carrément retourné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Douceur. Oui, ça y est, doux avec vous. Hein. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc apportez-vous de la douceur, oui. Créez votre havre de paix, euh, oui. Vous allez sortir d'une énergie d'habitude pour vous créer peut-être de nouvelles habitudes, pour vous créer quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous convient mieux, et peut-être que maintenant vous avez envie, vous avez Peut-être envie de douceur. En tout cas ici, peut-être qu'il y aurait une abondance de douceur aussi. Euh, voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, vous ne voulez plus la colère. Vous allez vous éloigner de toutes ces énergies euh, qui ne vous conviennent plus. Que ce soit la couleur, la colère, les gestes brusques euh, des personnes qui, euh, qui sont dans des énergies basses. En tout cas, vous avez envie de vous élever vers d'autres choses. Vous avez envie euh, d'autres énergies, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va vous aider, que ça vous éclaire, en tout cas. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mois de juin. Profitez-en. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.